2012-2013, le groupe, il y a eu plus de 20% d'amélioration des achats de composants automobiles du groupe PSA en Tunisie, malgré la crise en Europe, malgré même la crise en Tunisie, puisqu'il n'y a pas eu d'évolution des chiffres d'importation entre 2012 et 2013. Cela prouve que Citroën France continue à croire que le marché tunisien va reprendre, se comporte bien relativement à la crise, à la situation actuelle du pays, et ne veut surtout pas lâcher, au contraire, il nous pousse à ouvrir davantage des points de vente, à améliorer la qualité du service après-vente, à améliorer la qualité des ressources humaines dont est composée la société Eurasia. C'est des investissements qui sont lourds, qui sont rentables sur le moyen et le long terme, et continuent à investir avec nous sur ce volet-là. Donc, on ne peut pas demander plus d'un partenaire, d'un fournisseur, que d'être là pendant les moments difficiles. D'ailleurs, si ce n'était pour l'encouragement et le soutien de Citroën France, on n'aurait pas investi dans une succursale pareille en 2012-2013, alors qu'il y avait l'incertitude et l'absence totale de visibilité sur les quotas et la stratégie de l'État même dans l'importation des véhicules. J'espère que ces ambiguïtés et ce flux sera écarté en cours de cette année avec ce gouvernement provisoire 3 après la révolution. Tous concessionnaires de tous confondus, avoir vraiment une stratégie de développement claire dans ce pays. Je comprends que la situation du pays ne permet pas justement de planifier sur le moyen long terme, mais l'automobile reste, dans tous ses composants, un secteur stratégique pour le pays. Et j'espère que le ministère du Commerce et de l'Industrie feront tout pour le conserver, le développer et encourager l'installation des fabricants européens et asiatiques en Tunisie pour la pièce, pas nécessairement pour le montage, nous sommes un petit marché. Le montage, l'expérience du montage automobile en Tunisie a fait ses preuves, elles sont toutes négatives, il n'y a pas eu vraiment de bons succès. Un marché de 10 millions d'habitants, on ne s'attend pas à avoir des chaînes de montage comptables. Par contre, la Tunisie a un grand élan par rapport aux autres pays du Maghreb dans tout ce qui est fabrication de pièces automobiles, et c'est le secteur à développer, c'est le secteur à soutenir, et c'est le secteur à encourager sur